Bienvenue dans un voyage profond d'éveil et de transformation. Alors que nous plongeons dans le message perspicace de la Fédération Galactique, canalisé à travers Blossom Goodchild. Aujourd'hui, nous explorons un moment pivot de notre expérience collective, le commencement de la phase 2. Ce message offre non seulement un aperçu des changements cosmiques qui nous attendent, mais sert également de guide pour élever notre compréhension spirituelle et notre essence vibratoire. Dans cette ère pivot, nos paysages émotionnels sont aussi variés que l'univers lui-même, oscillant entre un profond désespoir et une joie exaltante. La Fédération Galactique, avec sa compréhension profonde de la nature humaine, aborde ce spectre d'émotions, reconnaissant à la fois les éternels insatisfaits et les éternels optimistes parmi nous. Cette reconnaissance n'est pas une simple observation, mais une reconnaissance de l'interaction vitale de ces énergies, essentielle à notre croissance personnelle et à l'évolution énergétique de notre planète. Vous, en tant que chercheur et phare de lumière, êtes doté d'une capacité remarquable à naviguer et à transformer ces fréquences. Votre voyage ne concerne pas seulement l'éveil personnel, mais aussi une participation active à l'hygiène énergétique de la conscience collective. La Fédération célèbre la résilience et l'amour que vous manifestez en vous, engageant avec ces vibrations difficiles. Vous n'êtes pas de simples passants dans le domaine de l'énergie. Vous êtes des formateurs et des guérisseurs, veillant à ce que les fréquences inférieures ne trouvent pas de refuge durable dans l'esprit humain collectif. Ce rôle que vous jouez est souvent mené au-delà de votre conscience directe, opérant dans les profondeurs de votre existence spirituelle. Votre essence, ce que nous pourrions appeler votre véritable moi, est une lumière immaculée, intouchée et incorrompue par l'ego. L'ego, avec ses nombreuses distractions et distorsions, cherche souvent à obscurcir votre véritable nature. Cependant, votre lumière intérieure est résiliente et persistante. Elle ne vacille pas ou ne se fade pas en arrière-plan. Au contraire, elle cherche continuellement des moyens de briller, d'exprimer et de manifester sa pureté inhérente. Même dans des moments de calme ou d'inactivité perçue, votre lumière est active, travaillant à réaligner non seulement votre chemin personnel, mais aussi à aider à la guérison et à l'élévation de la Terre elle-même. À mesure que votre connexion avec votre vrai moi s'approfondit, vous devenez de plus en plus sensible aux besoins et aux murmures de votre âme. Cette prise de conscience accrue permet un discernement plus clair entre ceux qui servent véritablement votre croissance spirituelle et ceux qui en détournent. Un tel discernement est crucial. Il vous permet de lâcher les pensées et les schémas qui vous alourdissent, jetant des ombres sur votre lumière intérieure. Quelles sont les ombres que vous êtes prêt à libérer pour pleinement entrer dans votre lumière? En reconnaissant et en libérant ces fardeaux, vous vous libérez pour expérimenter la joie inhérente et la légèreté de votre être. La gratitude joue un rôle pivot dans cette transformation. C'est un outil alchimique puissant qui transforme les émotions plus denses et plus sombres en fréquences de vibrations plus élevées. Lorsque vous embrassez la gratitude, même face aux défis, vous catalysez un changement dans votre champ énergétique. Ce changement n'est pas juste un ajustement mineur, c'est un réalignement profond qui vous connecte plus profondément au flux cosmique et aux vibrations supérieures d'amour et de lumière. Grâce à la gratitude, vous élevez non seulement votre propre esprit, mais contribuez également à l'ascension de la conscience collective, rayonnant de la positivité et de l'espoir dans le monde autour de vous. Les changements à venir, annoncés par la Fédération Galactique comme étant la phase 2, sont destinés à être profondément transformatifs. Ces changements ne seront pas de simples ajustements, mais des bouleversements monumentaux, aussi intenses et troublants qu'un ouragan balayant un désert. Cette métaphore vivante capture les changements profonds et dramatiques qui sont sur le point de se dérouler, affectant directement le cœur de votre paysage émotionnel. Malgré le potentiel de bouleversement significatif, la Fédération vous assure qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Au contraire, cette phase est une partie cruciale d'un plan divin, une purge nécessaire qui dégage la voie pour une nouvelle ère caractérisée par la lumière et la vérité. Les défis présentés par la phase 2 exigeront de vous une force et une résilience considérables, car les vérités qui émergeront nécessiteront un examen interne profond. La Fédération vous incite à aborder les changements à venir avec un cœur de guerrier. L'obscurité de longue date qui a assombri notre planète
est destiné à être éradiqué. Ce processus de purification est essentiel pour l'établissement d'un nouveau système, un nouveau paradigme qui soutient l'équité et l'unité, conçu pour servir toute l'humanité, et non pas seulement quelques privilégiés. Vous êtes convoqué non seulement comme observateur de cette transformation monumentale, mais aussi comme contributeurs actifs. Votre lumière intérieure et les épreuves spirituelles que vous avez traversées vous ont préparé pour ce moment critique. À mesure que les ombres sont bannies, une nouvelle aube est sur le point de se lever. Une aube qui apporte avec elle une atmosphère si transformée. Elle semble imprégnée d'une essence plus légère et plus rayonnante. Ce nouveau commencement signifie bien plus qu'un changement. Il représente un renouvellement complet du monde tel que vous le connaissez. Alors que vous entrez dans cette réalité altérée, votre rôle en tant que phare de lumière devient encore plus crucial. Vous êtes chargé non seulement de vous adapter à ce nouveau monde, mais aussi de le façonner, guidant les autres à travers la transition avec compassion et sagesse. C'est un moment d'action audacieuse et de foi inébranlable dans les progrès que nous sommes destinés à réaliser ensemble. Cette transition, bien que intimidante, est comparée à une toile en attente d'une nouvelle œuvre d'art. Les métaphores de bouleversement profond, utilisées pour décrire cette phase, illustrent l'impact perturbateur et significatif des révélations à venir. Alors que vous naviguez à travers ces vérités, il est crucial de garder à l'esprit que le résultat ultime sera un monde réimaginé dans l'équité et l'amour, baigné de beauté et de lumière. Après cette phase transformatrice, vient la phase 3, une période qui exigera de vous patience et persévérance, alors que de nouvelles structures sont établies et que la vision d'une terre renaissante prend forme. Cette phase de reconstruction peut être comparée à la construction de Rome, un processus qui n'a pas été précipité, mais qui a évolué grâce à des efforts soutenus et à un dévouement collectif. Tout comme Rome n'a pas été construite en un jour, les nouvelles fondations de notre monde nécessiteront du temps pour se solidifier, reflétant l'ampleur des changements mis en œuvre. Pendant cette période critique de construction et de croissance, votre rôle s'étendra au-delà de la simple adaptation. Vous serez appelé à contribuer à la formation de ces nouvelles structures en veillant à ce qu'elles soient imprégnées des valeurs d'équité et d'unité. Chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez, devrait être guidée par les principes supérieurs révélés dans la phase 2, visant à créer un monde durable et harmonieux. Alors que vous vous engagez dans cette grande reconstruction, souvenez-vous que les défis auxquels vous faites face font partie d'un plan divin plus large, méticuleusement orchestré pour apporter le bien le plus élevé. Votre persévérance et votre foi pendant cette période sont non seulement vitales pour votre croissance personnelle, mais aussi intégrales à l'ascension collective vers cette nouvelle ère de lumière. En résumé, la phase 2 représente un appel crucial à l'action pour tous les travailleurs de lumière et les chercheurs spirituels. C'est une invitation profonde à rester résolu face à des révélations qui vont fondamentalement défier et transformer votre compréhension de la réalité. Vous n'êtes pas de simples participants à cette nouvelle ère qui se dévoile. Vous en êtes les architectes, les guerriers de lumière qui ont été minutieusement préparés pour cette tâche monumentale à travers d'innombrables actes de courage et d'amour. Alors que nous nous tenons au seuil de ces changements transformatifs, il est impératif de les aborder avec une foi inébranlable dans le plan divin. La victoire de la lumière sur l'obscurité n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. Cette lumière continue de nous guider vers un avenir où l'amour règne en maître, et les ombres qui semblaient autrefois insurmontables sont dissipées pour toujours. Ce moment ne marque pas seulement un nouveau chapitre, mais un tout nouveau volume de notre saga planétaire. Armé des connaissances et des perspectives profondes transmises par la Fédération Galactique, vous êtes parfaitement préparé à faire un pas en avant dans cette ère de lumière. Ce voyage est collectif, et ensemble, avec amour et esprit indomptable, nous forgeons un nouveau monde. Merci de vous être embarqué dans ce voyage transformateur. Continuez à rayonner votre lumière audacieusement et magnifiquement. En le faisant, vous n'éclairez pas seulement votre propre chemin, mais illuminez également la voie pour les autres, les guidant à travers cette période de changement profond et vers la clarté d'une nouvelle aube. Vous construisez un monde où la lumière et l'amour prévalent, et l'avenir est radieux de promesses et de potentiels.